Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Pérouse, un nouvel épisode de Mad Max. Donc, oula, un étrange truc qui s'est passé devant mon écran. Donc on va rejoindre, donc j'ai déjà mis un point vers un simple petit vous savez bâton là, l'espèce de truc à péter là. Et ensuite on va aller se faire un truc un peu différent. Je viens de le remarquer sur la map en fait, du coup ça m'a choqué, je suis allé voir et je me fais oh sympa. Hop. Ah, j'avais pas mis le. My bad. Alors. Répare un coup parce que bon. C'est vraiment après le moment où on appuie sur le bouton quoi. Allez. Ça c'est fait. Alors il paraît qu'il y en a un par là aussi. Allons-y. Something I have to do here. What is Curtis? Boom. Now it's my turn. Voilà, ça t'apprendra. Bon. Voyons voir. Qu'est-ce que t'avais sur toi ? Un petit peu de ferraille, c'est bon à savoir. On va prendre un petit peu de ferraille. Donc qu'est-ce que c'était que ça, j'ai pas le temps de voir, mince. Hop là. Ah, lui aussi il en avait, mince. La ferraille, dommage, j'aimerais bien trouver un petit peu quelques munitions. Au moins de snipe. Et donc chers amis, nous allons aller là. Hop, je vous laisse pas le temps de lire, j'espère que vous ferez pas l'arrêt sur image. Ce serait pas sympa. Il y a un tremplin devant. Il y avait un tremplin devant. Une aéromobile, elle vole. Bon par contre faut que tu ailles réparer un coup parce que là elle a pris vraiment cher. Hop. C'est parfait. Allez, répare. Allez. C'est bon. Accélérons un petit coup. Ouh, mais ça a l'air sympa par là, dis donc. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Ce sera donc à l'extérieur qu'il faudra que nous allions. Plus encore, j'imagine que ce sera là-haut. Elle en chie, hein. Allez, pupus. Hop. Répare la caisse. C'est lui qui fait ce bruit-là. Alors, me dis pas que c'était plus bas. Ça me ferait mal. Et c'était plus bas. Forcément. C'était juste là. D'accord. Bon, pourquoi pas. Allons-y. Hop là. Alors pour la petite information, il peut courir indéfiniment. Hein, je préfère le dire. On t'a réparé la caisse. Oh, elle est belle. Ok, elle est belle. Attendez, il y avait pas genre un truc là. Je gagne beaucoup en attaque. Il
Bon. Pas trop envie de trop la dénaturer en fait la bagnole. Bon, les collisions frontales, c'est pas souvent que ça arrive. Enfin, je crois. Alors. Salut l'ami. Hello there. Bonjour. Putain, c'est une fille. Strange gene drift to you. You got some fine wheels rolling there. Is that a nitro boost I spot on an intake? If so, stranger, there'd be some fine spots for you to let that baby soar. Te mets pas à genoux, ça me donne des idées. Récompense un jeton de griffe. Servez-vous des rampes dans le désert pour effectuer un saut épique. Oh. Alors c'est où? Ah oui, non mais c'est pas là. Moi c'est la fameuse rampe qui m'intéresse. Un saut épique. Ah. Oh. On va aller se faire ça, chers amis, ça peut être sympa. Pour moi, ça c'était un saut épique. Hein. Hop là. Bon. Par contre, elle a pas pris un pet de dégâts, alors bon. Allez comprendre. Oh, forcément. Il est blindé le deuxième ou c'est moi? Putain, il me manque ce V8. Bon, bah tant pis, vous tournez pas dans le bon sens pour moi. Alors. Faudra qu'on vienne vous refaire vous aussi, ça fait longtemps que je dis qu'on va vous faire. C'est nouveau cet effet, je me rappelais pas avant. Peut-être parce que j'ai le vent de face en fait. What? Je me rappelais pas de ça non plus. Virage à gauche, course à la mort. What? Ah, j'ai peut-être découverte. Ouais, j'ai sûrement découverte la zone. J'ai pas dû y aller en fait encore. Olé! Ça c'est fait. Alors, est-ce que du coup faut que j'aille rendre la quête ou je sais pas quoi? Ah non, d'accord, il y en a plein à faire en fait. Un, deux. Ah oui, il y en a une chier. Il y en a une chier partout, d'accord, ok. Bon, moi c'est intéressant. Nouvel ennemi, Makino. Oh, sympa. Intéressant. Ok. C'est parti, allons-y les mecs. What? Pourquoi il a disparu lui? Boum! Boum! Non! Couchez! Couchez! Aïe, j'ai été stupide. Voilà, je me suis rendu compte de mes conneries. Je me sens suffisamment pathétique comme ça. Alors qu'est-ce que c'est du Dinkidi? Du Dinkidi. Ah, c'est bon le Dinkidi. Bla.
Une arme. Oh, sympa ça. Par contre, si ça s'affiche à chaque fois, ça va être chiant. Surtout que je pense pas que je puisse monter avec en fait. Ah si, intéressant. C'est bon à savoir. Oh, le beau siège. Alors, j'ai même pas vu ce qu'il y avait ici. Deux ferrailles, c'est tout. Bon. Ok, on a vu ce qu'il fallait. Oula, baisse de framerate, incompréhensible. Appelé. Je lâche l'arme, c'est pas grave. Alors nous sommes là et je voulais pas y aller du tout. Parce qu'il nous reste plein de choses à faire en fait dans cette zone par exemple. Là il nous reste, voyez-vous, deux champs de mines. J'en ai trouvé qu'un, celui-là. Ce qui m'intrigue. En plus je ne sais pas comment on les fait. Là j'ai une relique historique donc on va aller la faire. Donc on va commencer par ça. Pourquoi je peux pas placer un repère? Bizarre, ça ne m'indique pas la route. Allez, on repart par l'autre chemin. Allez! Qu'est-ce qu'il y a par là? Un soi-disant demi-tour. Boum! Boum! Ah mais attendez, c'est pas un des fameux convois de ferraille ça? Qu'il faut faire venir chez des gens? Si si, il me semble que si. Hey l'ami! Alors. Il faut que je le ramène, genre chez Jit. C'est ce qu'ils appellent des convois. Livraison de ferraille, voilà, petite réserve, 500. On en a pris plein la gueule par contre. Allons-y. Alors, ça nous permet de faire de la route tranquillement. Alors ce playthrough sera long, chers amis, hein. Pour l'instant, hormis Fallout 4, il n'y a aucun playthrough qui pourra passer par-dessus. Bon, on verra bien sur le coup, hein. De toute façon, si jamais ça continue jusqu'au moment où Fallout 4 sortira, bah écoutez, moi j'aviserai. Hein. Cependant, j'imagine pas que ça durera, parce que bon, tous les jours, ça fait, attendez, jusqu'à Fallout 4, ça fait novembre 30, je crois que c'est le 30 novembre, hein. Ça fait au moins 3 mois, donc ça fait 90 épisodes, bellement. Ah si, ça pourrait le faire, hein. Donc à voir, hein. Mais oui, on verra bien, on verra bien. On arrive à la maison, c'est cool. Bon, je t'amène de la ferraille, copain. Je viens en paix. Ferraille livrée. Oh, sympa. Sympa, sympa! Ça m'en a apporté plein! Mission de l'histoire, d'accord. Là, j'ai rien amélioré. Là, je suis déjà au max. On va tout visiter, on va tout voir. Oh, nitro niveau 2, 500. Ça pourrait être intéressant. Là, j'ai rien. Ah, j'ai ça. Oh, que c'est moche. Non! Là j'ai rien à acheter. Il y a des autocollants mais bon voilà quoi.
trouve pas qu'il soit top. Noir goudron. Ouais. Je vois pas ce que c'est. D'accord, si ça en rajoute. Non, bah non, je veux l'enlever. Je veux rien mettre. C'est moche. Couleur de carrosserie, j'en ai pas d'autre. Parfait. Carrosserie en question. Ah, c'est cool, il y a d'autres. Furnace, c'est celle-là. Oh. Elle est jolie aussi, hein. Celle-là, c'est... Ouais. Celle-là, c'est... D'accord. Celle-là, c'est... Ok. Ça, c'est la vitesse de réparation, mais c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est les brûleurs. C'est pas très utile. J'aime pas beaucoup. Le harpon, je peux pas l'améliorer. Je peux l'améliorer. Ah. Intéressant. Je peux encore l'améliorer. Avec le profiteur, pendant le temps de la nitro. Ah, c'est intéressant. Et hop, on prend ça. Voilà, on a bien dépensé notre argent, je pense, chers amis. Le sniper, il était améliorable aussi. Bon. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la région? Ceci. On va y aller. J'avais pas vu, mais il y a un saut là. Vous l'avez pas vu non plus? Regardez, juste là. Oh, répare. Répare, je te dis. Mets-toi au boulot, t'as raison. Tiens, ça c'est une bonne expression. Oui, on va aller purifier leur camp, t'inquiète pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Ok. Boum. Ah. Alors. Ok. Niveau 4 requis, c'est dommage. Bon bah viens par là. Alors si je la prends, c'est justement pour la ramener. Voilà, parce que ça doit être la même des deux côtés, voilà. C'est bien ça. Elle est rapide hein. Elle a pas de nitro mais elle est vachement rapide. Alors elle est bourre. En vitesse de pointe elle est bonne. En accélération c'est pas trop. C'est mieux que la mienne. Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Hop. Oui je sais. On ressort. Là-bas, il y a un champ de mine. Là, il y a... Camp, il y en a trois. Trois camps. Un, deux, trois. Parfait. Champ de mine, il y en a deux. Ok. Convoi, il n'y en a pas. Ok. Ok, ok. Parfait. Donc, on va aller se faire les quelques petits... Ah, on va se faire les informations. Voilà. On va se faire les informations et on les aura pour le prochain épisode, chers amis. Hop. En espérant qu'on tombe sur quelques braves routards. Quelques baraudeurs. Hop. Oh, même sur un autre convoi, tiens, un petit truc sympa, ça peut être cool.
Ah, je me rappelais pas de cet effet avant. Marrant ça. C'est pas genre le mec que j'ai défoncé la dernière fois. Ah, est-ce que t'es au-dessus ou est-ce que t'es... Non, t'es là. Oui, j'arrive. Alors, dis-moi tout. We've heard of your doings, walking man. Oh. So hear me. Down there is the dredges. Lord Scrotus Lands. Contrôle les ponts, la route et même un bunker. Oh, intéressant. And even a bunker. Good way to ruin that undead scrotum's day would be to rid us all of the tanks there. Bring them down with a level like. Stop all gas down traffic round here. Watch the containers for other ways in. Sympa. Réservoir de carburant au sous-sol. Sous-sol infesté de rats. Possibilité d'une meilleure approche par le sud. D'accord. 80 pièces de ferraille, c'est sympa ça. Oh bah justement, on parlait de ferraille. Vous avez vu droit devant? Moi non plus, je l'avais pas vu. Ok, un petit bout de ferraille. Allez, viens. Mais alors, pourquoi t'as pas... Pourquoi il a pas tiré? Oh, la roue, ça passait? Ah non. Elle n'avait pas fiché le niveau 4 Rocky, niveau 4 Rocky. Donc je m'étais dit, wouhou! Non mais je vais t'avoir, hein, cherche pas, c'est mort. Je vais faire partie de ma collection de pièces de ferraille. Et puis c'est tout. Wouah, salaud! Bien joué! Bien joué. Je l'ai pas vu venir. Oh la vache. Du coup il me sème. Putain, vivement que j'ai mon V8. Donne-moi ma voiture. Ok, répare toi. Alors, chez Jit, c'est là-bas. Et on va pouvoir s'acheter le niveau 4, je pense, j'espère. On verra bien. Du harpon bientôt. Peut-être pas, je pense pas avec cet achat-là. Avec ce convoi-là, enfin ce tas de ferraille-là. Mais avec un prochain, je pense qu'on pourra s'acheter un très très bon matériel. Alors, de l'argent sur roue, mais c'est génial ça. Wow. Alors, il est très très chiant à conduire, mais quand même. De l'intérieur, ça donne quoi? Ça donne pas grand chose, on voit pas grand chose. Pour le moment ça va. Puis je compte ramener la voiture donc dans une autre je veux bien, dans celle-là non. Oh là là. Oh la butée dure. Elle est à fond là. Pour un véhicule de transport, je me serais attendu à un peu plus de couple, justement. Hop. Salut les mecs. Ferraille. Ouh. Alors juste pour aller voir, parce que je suis pas allé voir le prix. Je m'en rappelle plus. 900. Ouh, ça fait mal.
Pour débloquer l'amélioration, réduisez le niveau de menace à 2 dans le territoire de Jit. D'accord. D'accord, intéressant. Ok, pourquoi pas. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre la Playroom, rejoindre le groupe Steam pour avoir un peu plus d'informations et voir de vidéos sur YouTube. Donc bah, abonnez-vous, hein, c'est un excellent moyen d'avoir tout mon contenu, donc 3 vidéos par jour en ce moment, sauf problème. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.